fait suite à reste émission m'a dit encore merci avec mon ami Don Nono qui a fait blague avec moi là il dit là fait bien passer merci en pile mon frère et je pense que fanatique fidèle de la radio télé Cause Vodou c'est peut-être c'est un honneur pour eux parce que lorsque nous bien passé certes nous mettons nous dans position pour comprendre nous pour ouais travail à faire son travail qui est important et travail ça c'est pour nous porter. Et nous allons passer avec le 32e génie qui c'est Vazaria. Vazaria qui s'écrit V-A-S-A-R-I-A-H, ni son domination. Nous parlons de sac domination et nous t'expliquons un peu tout à l'heure qui sac domination. Ni son domination caractéristique, c'est justice clémente. Lorsqu'on parle de clément, on parle de la clémence, c'est le pardon. Ça veut dire, j'ai un monde et tu es capable de dire que dans la date cap mercredi ou jeudi, mercredi dans 5 juillet et jeudi dans 6 juillet 7 il y a un monde qui a adressé Génissa qui c'est domination qui c'est Vazaria qui c'est l'aide à comprendre à maîtriser il parlait d'une justice qui est clémence là-dedans ça veut dire que l'on a décidé soit décider avec bon sens Vazaria c'est lui-même qui gère ça et pour cela pas oublier toujours parler de la négativité. Négativité, c'est puisque l'homme est avide, l'avidité la cali, l'homme pas satisfait, l'homme toujours à chercher, l'homme toujours des tendances pour faire mon mal. Pour cela, il y a des personnes qui utilisent même Génissa qui Vazaria de façon négative. Certains toujours du monde, ça vibre de façon négative. Et là, en général, une vie qui meurt, une vie qui rase. Et monde ça tout, la bien ambition démesurée, la bien reconnaissance massette. Ça veut dire monde qui a toujours tendance à faire mal, monde qui vibre de façon négative. Et nous parlons de Vazaria. Vazaria 1, il développe ce qu'on appelle du côté positif, de la générosité, de la bonté, les soutiens, les affaires judiciaires. Et ça fait que nous premier dans début de mission, nous parlons de une justice clémente qui le mot clément, le jeune mot, clémence, le pardon. Puis, enfin, discuter, les comprendre, les analyser pour voir s'il n'y a pas de fausse côté. Eh bien, les contribuer aussi à développer mémoire, une équipe en perte mémoire, les favoriser le travail. Ils font une sorte d'introspection. Introspection, c'est retourner sur soi-même pour essayer d'écrire qui est au fait, qui soit, qui est au calé, qui soit capable de faire beaucoup de changements. Et Vazaria permet de faire une sorte d'introspection. Ils aident aussi à développer la spiritualité. Parce que là, on parle de la prière. On parle de la prière, c'est que les permettre aux gens bon vie de spirituel, de développer la spiritualité et les permettre de lutter contre des illusions et la crédulité des illusions et de la crédulité et pouvoir laisser lumière de la parole juste lumière par rapport au feu dans son œil qui brille et parole juste et travailler les influe sur les magistrats les avocats les domaines où règne le monde de la justice y a un monde qui n'en justice y a un monde peut-être qui voulait comme si que gain tout bon sens mais parfois les non jugements pour le gain c'est que Vazaria c'est une domination que lui-même est capable de marcher avec lui est capable de prier il est capable d'adresser peut-être Vazaria laisse à un la portée spiritualité la caïmon ça la permet on ça gain capable faire une introspection pour essayer de comprendre tête lui il a développé une bonne mémoire et l'a favorisé le travail et l'a prend mon ça surtout dans les affaires justice affaires judiciaires que mon ça lui prend de bonnes décisions pour les comment dirais-je paraître plus ou moins ou équilibré ça c'est Vazaria c'est une domination et caractéristique c'est intériorisation de la d'une justice clémente pour cela Vazaria qui sont domination qui c'est le 32e génie les gars rapport à date que mercredi de l'après-midi du 5 juillet et jeudi 6 juillet ça veut dire au capable adresser et il fait partie de lié avec machin à prier qui est le grand sec cabal que nous expliquer tout à l'heure dans début émission dans notre émission passée et les gars rapport avec le rituel de tout à l'heure nous et nous dans l'émission précédente nous expliquons qui ça rituel de là et pour adresser Vazaria certes de façon positive puisque n'a pas de façon négative nous t'ai parlé tout à l'heure un peu tout à l'heure de façon négative n'a pas de façon positive c'est qu'il y a une prière après on fait rituel de là on fait toutes sortes de choses et puis puisqu'on y a là
deux mots à la hauteur normale et puis vous adressez face à regard dans cette prière qui prie, il dit l'ange, tout est corps spirituel, sensible, mental, physique, tout est organe doivent être imbu de clémence bienveillante, que c'est la vraie et unique justice, car tu sais comme moi que tu as été créé à l'image et à la ressemblance du Créateur et que tu portes en toi une étincelle divine égo éternel. Comment faire pour rassembler à l'Éternel, à Dieu, à moi, par la mise en pratique de la clémence et la bonté, de la générosité illimitée, sans jamais juger. Vazaria, je veux aimer toutes les créatures, de la plus grande à la plus petite, avec discernement, certes, soit sans aimer le mal. Amour pour ce qui est lumineux. Amour pour ce qui est lumineux. Le donner et le recevoir modestement, avec contentement, avec joie, allégresse, espoir, renoncement, service. L'ange, si tu es humble, tu agiras avec droiture, sans vanité, et mon essence te sera accordée pour que ton cœur noble puisse s'élever dans tous les domaines spirituels, émotionnels, matériels. Ainsi soit-il. Amen, amen, amen. C'est le prier à adresser à Azari Vazaria, qui s'écrit V-A-S-A-R-I-H. C'est une domination, nous décrivons une domination, et nous décrivons un vertu, c'est la paix en soi. C'est travail et lumière, pouvoir, c'est lumière par la parole juste, c'est lumière par la parole juste, et travail les influencer sur les magistrats, les avocats de tous les domaines où règne la notion de justice. Et le date pour Kabbali, c'est mercredi 5 juillet dans l'après-midi, au 6 juillet. C'est important on capable faire de capable tout le noter par le de la caractéristique, c'est intériorisation de la justice clémente. C'est 32e génie ça qui c'est Vazaria, son domination. Pas oublier non pas toujours que la prière, c'est l'importance, la prière, c'est un moyen d'entrer en communication avec les êtres spirituels, les génies qui sont au-dessus de nos têtes, et seule façon qu'a fait ça, un, c'est peut-être appliquer le rituel de Dieu là, puisque génie, ça aussi le rituel de Dieu. Quand le deuxième génie en Vazaria, il n'y a pas le rituel de Dieu. Et d'abord, la machine à prière, c'est le grand sec cabal, qui gon petit sec, qui gon grand sec, si conscrit à l'intérieur de lui-même. Et notez pas là que flèche à question est évêlée, ça qui ça symbolise, symbole de confort, de beauté, de morale, d'énergie pure. Et l'autre bagarre encore, qui sont capables de faire, au cas juste après on fait tout ce qu'on fait pour éteindre cloche baleine avec son cloche là au capuchon et pour dévertir avec blouse blanche là plus foulard bleu qui n'en coule là pour gagner et normalité soit habitué faire et tout pendant journée on capable toujours adresser le Vazaria parce que Vazaria il a rapport avec une justice clémente et c'est 32e génie c'est Vazaria qui sont domination. Pour cela, sans plus tarder, nous parlons pour une petite pause tout court pour nous passer dans le 33e génie qui c'est Yehua qui s'écrit Y-E-H-U-I-A-H qui c'est une puissance. Pour nous quitter pour la domination, nous entrer dans la puissance. Nous avons essayé de définir qui sa puissance est pour nous. Et quand c'est subordination intériorisée. Subordination, c'est peut-être, nous avons essayé de définir qui sa subordination. Merci beaucoup.